aujourd'hui, on est venu, comme le Premier ministre a indiqué, c'était pour dire oui, nous sommes prêts à le faire. Et après, maintenant, le cadre serait défini. Et on est revenu à ça. C'est pourquoi mon discours a été très court. Parce que ce qu'on attendait de nous, c'était de dire la participation. Participation à condition qu'on se dise la vérité. Que nous disions exactement ce que nous devons dire du côté politique et que le gouvernement, le CNRD, à travers le Premier ministre, nous dise exactement ce à quoi on doit s'attendre. Et ainsi, un plan sera élaboré et le Premier ministre a donné la date de vendredi. Vendredi, cela sera envoyé par chaque parti qui le souhaite et après, il y aura une réunion, cette fois-ci, probablement à huis clos, où on va décider, n'est-ce pas, des états. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a l'espoir? Mon parti s'appelle Parti de l'espoir. J'espère toujours. Même quand on doit désespérer, moi j'espère. Au niveau de ce dialogue, il y a l'espoir? Il y a espoir partout. Même la votre façon de tenir votre micro là, s'il n'y avait pas espoir, ça allait tomber.